Ces deux formations qui se retrouvent donc pour ce match retour avec des visiteurs qui n'ont plus le choix maintenant. C'est vrai qu'ils vont devoir réagir. Le match aller chez eux, mais c'était pas bien passé ce soir. Cette rencontre va nous donner l'occasion de découvrir la nouvelle recrue du club. Vous voyez apparaître la proposition du Real Madrid. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Borja Mayoral. On s'approche de la régularité. Bail Gomez en 1-2. Touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Onas. Ouais, parfait cette interception. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, la frappe. Allez, bien joué le gardien qui a capté. Ça mange vers la surface. Et non, finalement, ça a été intercepté. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Et l'attaque va s'arrêter là. Mbappé. Ah, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Il est joué avec Benzema. Le Real Madrid qui s'approche du but. Oh, c'est dangereux. Bernardo Silva. Regarde. Bail Gomez. Torres. Attention que ça peut être dangereux. Et tout le monde participe à cette séquence de passes. Et ça construit devant les buts sans se précipiter. La neige qui est là et qui n'empêche pas la tenue de ce match. Non, l'arbitre de la pluie n'était pas très calme. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Attention, il a du champ devant lui. Benzema, cette fois c'est le gardien qui gagne le duel. La lecture de la trajectoire du ballon est parfaite. Oh, parfait la passe. Borja Mayoral. Ça part bien, action dangereuse. Le gardien qui va pouvoir se dégager. On voit les images de ce but qui leur a permis de prendre l'avantage. Ah, ça fait jamais plaisir d'encaisser un but comme ça après avoir touché le ballon. On va
va voir qu'il ne se précipite pas sur le bloc avec un tir. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. Je le peux, mais je... Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, la faute était évidente et l'arbitre siffle coup franc. La tête. La défense qui va être mise sous pression avec ce corner qui est concédé. Les joueurs pour la suite de ce match de Coupe d'Espagne. Tout le monde a l'air prêt. Mbappé. Oui, ça circule bien, on construit tranquillement. Ils ont beaucoup à jouer là, attention. Oh là, la glissade dans la neige. Ah, il y va à fond. Hein. Et ce ballon qui est perdu. Mbappé. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Oh, le ballon bien négocié par le gardien. L'arbitre est capable de corner. Et là, un remplacement. Du point, le gardien choisit la frappe. Ce ballon qui est dégagé touche pas la main. Un bon ballon d'attaque. Il cherche à alerter Benzema. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt. On aura fini son échauffement, il est prêt. C'est finalement un ballon perdu. Le joueur du Real qui commet une faute. La faute est carton jaune pour Pépé. Bye Gomez. Il s'en est fallu plus et qu'il reprenne ce ballon de la tête. Vraiment. Ouais, même détente quand même. Pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Marco Verratti. Le face à face avec le gardien. Le score qui est désormais de 2-0. Torres. Et dans le Torres. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Les 30 derniers mètres. Ouais, l'intention était bonne. Le défenseur hein, qui a pris le dessus. On devrait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Les consignes de l'entraîneur sont claires, c'est tout pour l'attaque. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Une faute imprudente, hein, peut-être un deuxième jaune.
Alors c'est un peu inconscient là, de faire une faute pareille alors qu'on a déjà un jaune. Je pense que c'est pas la faute de la prochaine fois, ça peut finir avec le... Oh magnifique, le gardien, le sauvetage. Ouais, très bon contrôle. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Torres. Le duel pour la récupération du ballon. Mbappé. On s'approche de la zone de vérité. Attention, ça peut faire mieux. Elle arrive là. Touche pour le Real du l'arbitre. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Alors que les minutes filent, on est plus loin de la fin maintenant. Est-ce que tu peux évoquer peut-être, Pierre, le prochain match de cette équipe? Le Real Madrid va affronter le FC Séville ensuite. Beaucoup d'applications chez les joueurs qui font faire la défense pour l'instant. C'est une belle victoire qui se profile. 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oui, il a bien le jeu. Le ballon est intercepté. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Il est sur la trajectoire. Ouais, ça y est, l'arbitre qui vient de siffler à l'instant. La fin de cette rencontre. C'est le Real Madrid qui s'impose. Qui entend